Mes chers compatriotes, le véritable enjeu de l'élection présidentielle, c'est le bien-être des Français. Votre bien-être. Et la condition de ce bien-être, c'est la réussite et la grandeur de la France. Tout le monde vous parle de justice sociale. C'est bien. Mais pour réaliser la justice sociale, il faut que la France crée les richesses nécessaires. Et donc, gagne la bataille économique que j'ai engagée il y a 2 ans, et aussi que chaque Français ait sa juste part des fruits de la réussite. L'enjeu de l'élection présidentielle n'est pas de savoir qui va gagner, du peuple de gauche ou du peuple de droite. Il s'agit de choisir entre la France qui perd et la France qui gagne, pour tous les Français. De 1981 à 1986, sous l'empire des socialistes, notre pays a pris 5 ans de retard sur ses voisins et sur ses concurrents. Ne vous y trompez pas. Le socialisme, aujourd'hui, même s'il ne veut plus dire son nom, même si son candidat déclare ne pas avoir de programme, n'en est pas pour autant moins dangereux. Depuis 2 ans, j'ai entrepris le redressement de la France et les premiers résultats sont là. Je crois à la sagesse de mes compatriotes. Ils savent juger sur les actes et ne se contentent pas de bonnes paroles. Pour que la France gagne, voici ce qu'il faut faire. Et si vous me faites confiance, je le ferai. Il faut achever de remettre l'État à sa vraie place. Réduire les déficits et les endettements. Il faut donner plus de liberté et d'initiative aux citoyens et donner aux entreprises la possibilité de se développer pour investir et créer des emplois. Il faut maintenir la protection sociale et donner à tous, jeunes et moins jeunes, par l'éducation et par la formation, la première dignité de l'homme, avoir un travail. Il faut renforcer la politique familiale et donner enfin aux femmes la liberté d'élever leurs enfants et d'avoir une activité professionnelle. Il faut garantir la sécurité pour tous et ne pas transiger sur la défense de la France et sa place dans le monde. Il faut définir ensemble une politique de l'immigration qui respecte à la fois notre identité nationale et, bien entendu, les droits de l'homme. Quand on croit, comme je crois, au génie de la France, on ne peut pas accepter, et je n'accepte pas, qu'un Français, homme ou femme, reste sur le bord de la route parce qu'à 55 ans, il a perdu son emploi, parce qu'il est seul, ou âgé, ou handicapé. Il ne suffit pas que la collectivité se donne bonne conscience en distribuant seulement des allocations. Il faut aller au-devant de ceux qui ont besoin de nous et les aider à trouver ou à retrouver leur place, toute leur place, dans notre société. Mais nous ne pourrons gagner ensemble que si la France retrouve son rang en Europe, car c'est là que se joue notre destin. Elle était la première il y a 20 ans. Par son dynamisme. Elle peut le redevenir. Et il le faut. Cela ne dépend que de vous et du choix que vous ferez le 24 avril et le 8 mai. Et de toutes mes forces et de tout mon cœur, je veux faire de la France, pour chacun d'entre nous, un pays plus fort, plus libre, plus juste, mieux rassemblé et plus fraternel.